Et nous avons aujourd'hui
Christ sa naissance d'idées et d'opinions qu'on est sincères. Nous venons le courage de nous porter. Organise sa débat aujourd'hui à travers la perspective. Première fois la perspective, mais cause de la dépénalisation de la croix. Nous finissons à son timide. Malgré nous connaître, qui s'assiste là et c'est à vous, pour une grande section de la population dans le pays. C'est pas une grande façon d'aller dans le monde pour dire nous. Mais nous connaissons qui est une partie de la population, on va dire, vous autres s'assiste là et c'est à vous. Nous finissons parce que nous allons partir. Nous comptons le pays, nous comptons la jeunesse. Et nous souhaitons que ce débat que nous pouvons initier à ce candidat, qui fait ce chemin, qui progresse, qui aide à trouver une solution à sa fléau qui fait détruire dans la famille et fait déraciner beaucoup de nos jeunesse. Moi, je tiens à préciser, c'est mon camarade, que le mouvement patriotique, même si nous ouvert à la discussion au débat, nous ne pouvons plus prendre position de la question en tant que parti politique, mais seulement nous ouvrir à la réflexion, nous en vérifier, nous en vérifier, nous disposer pour construire un argument en faveur de la dépénalisation du cannabis. En d'autres mots, pour en dire, we stand to be convinced. Mais le fait que nous souhaiter ce qu'il peut faire aujourd'hui, il fait plus de l'église, il progresse ce débat-là. Et vous êtes capable de dire que pas trop loin de maintenant, mon cause de un dirigeant politique d'un autre parti politique. Et vous êtes tenu mon cher prix. Quand ça, c'est un parti politique qui est représenté dans le Parlement, évidemment, on va vous dire que le parti politique, ça, qui finit à moi. Qui lui marie sa partie par ce qu'il avait fait, et qui lui-même lui met régler sur position l'eau de pénalisation du Gambia. Ça veut dire, Dieu s'y marie pour nous, il peut étudier, et il s'aime le communisme. Il est d'accord pour écouter, et il a la partialité pour sortir aussi du débat en faveur de la dépénalisation. C'est une partie politique représentée dans le Parlement, évidemment, c'est là, mais il y en a sur quoi le décider dans le pays. Alors, à cause ça, mon camarade, nous comprenons ça, on ne va pas parler de division, mais ça, différentes opinions qu'il y a. Parmi la population, parmi de tout pays dans le monde, ce qui en faveur avec raison de déplorer les conséquences sociales, économiques, l'arrestation, la persécution policière, les juridiques de mon camarade, mon petit consommateur, les conséquences qui détruisent toute la vie, jusqu'à le bien de mots, intérêt à jeunesse, de business sale et sa parole là, dans toute la vie. La sortie, tout le monde fait cause que je connais la reconnaissance de ma vertu médicinale et thérapeutique du cannabis. Il y a même encore une correction à l'expert là, où tu trouves un pays irrigué, la pharmacie que pense dans le produit d'antique et dans le contenu du cannabis dans beaucoup de pays, mais c'est aujourd'hui comme thérapeutique, etc. Alors, et là-bas, les autres raisons aussi qui t'allaient à mes camarades pour une avancée devant nous. Et aussi, mes camarades qui comptent la dépénalisation, nous comprenons le mandatement. Mais aussi, qu'on vient de vous aller soulever à l'église. Et pour terminer, vous dire ça. Il ne faudrait pas qu'ils nous vont préciser que nous sommes là avant. Bloque-nous l'esprit. Empêche-nous d'écouter et résumer. Moi-même, mes camarades, mon camarade, de tout temps, quand tu comptes la dépénalisation. On ne va pas boire, on arrête de boire depuis longtemps, on ne va pas fumer, on ne va pas se faire fumer dans la vie. Mais seulement, en disant, on écoute ce débat-là. On écoute certains arguments qui ont participé. Mon cerveau commence, mon esprit commence à s'ouvrir. On ne va pas dire que nous pour la dépénalisation aujourd'hui. Mais seulement, nous, bisous, on va dire que là, fais-nous aucun bleu.
mais donc elle précisait, mais donc elle a priori, et il nous a écouté, et résumé, nous vous avez laissé vous faire, tout est au long du débat. Et ça débat-là, vous avez fait dans le respect que vous souhaitez, nous n'avons aucun doute, nous pour, nous contre, mais nous faisons dans le respect de l'opinion des autres. Et ce que nous souhaitons, nous, aujourd'hui, nous initions le processus en tant que parti politique, comme je disais. Vous connaissez ma quelques camarades à Boulanger, il n'a depuis longtemps trouvé de me faire travailler là. Mais nous, en tant que mouvement politique, représenté dans le Parlement aujourd'hui, moi, camarade, je vais en prier pour de m'étonner le député de l'Assemblée, du parlementaire. Nous disons officiellement un parti politique, mais initier le débat, c'est que nous souhaitons qu'il ait le débat continué et que ceux qui sont gagnants dans ce débat-là, c'est la jeunesse et le pays dans son ensemble. Donc avec ce cas nouveau, mes camarades, encore une fois, on remercie de tout, pour tous mes nouveaux camarades qui ont venu. Vous remercie de tout pour votre présence. Et au rang de micro, nous camarades Jean-Claude. Vous vous êtes bien sûr, on passe la parole Jean-Claude. Vous vous êtes rigolé, ces camarades Jean-Claude dans une équipe qui pousse fort pour nous capables de continuer dans ce débat. Et nous sommes contents de remercier pour sa initiative, pour sa ouverture des équipes qui viennent là. Et aujourd'hui, nous n'y a la foule qui nous y attend. Un camarade qui nous passe dans le débat, nous connaissons aujourd'hui saisi, aujourd'hui samedi, les courses, commissions, etc., etc., toujours nous occuper. Mais comme on dirait, nous ne pouvons pas seulement oser, organiser ça pour un débat là, mais nous l'oser, parce que je passe dans les deux jours, pour organiser le débat, un samedi, des heures, des heures, ce n'est pas facile. Mais déjà, nous avons une audience qui présente ici dans le camarade. Et nous souhaitons à nous ici bon travaux, bon débat et comme on dit les autres, c'est important, nous jeunesse et nos pays qui sont aussi gagnants dans ça, l'exercice qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Merci de votre attention. À nous, applaudis camarades Jean-Claude Bandier, qui vous donne de la santé dans le monde. Merci. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Dans la réflexion pour ou contre, pour qu'il soit capable d'avancer
dans sa réflexion le cannabis. Donc, mon camarade, nous vous amène un petit peu pour atteindre notre spécificité, notre médiateur pour sa fonction aujourd'hui. Et on demande compréhension de tous nos camarades ici présents pour qui ça débat-là est un débat important, est un débat biblique. Les humoristes de ça débat-là, on a plusieurs journalistes ici présents qui pourraient avoir une répercussion importante dans la presse. Donc, ça débat aujourd'hui-là, nous pouvons faire la paix pour qu'il y ait un débat civilisé. Ce n'est pas un débat comme nous pourrions avoir un conflit, nous pourrions évidemment avoir différentes opinions, différentes idées. Ce n'est pas un affrontement qui nous peut faire avec l'État ou avec l'autorité. Sinon, pour nous, ça ne va pas avancer trop loin. Nous voulons un débat qui, comme nous sommes aussi là, les retrouver des habitants. Sa discussion qui pourrait avoir, sa réflexion là, est capable d'être quelque part dans un programme, dans un papier officiel de parti politique, comme nous capables, en tant que parti politique, capable d'amener en cours plus à l'eau qui est simple débat. Comment on connaît la loi fait de l'ordonnance. Et si nous on vit avec quelque chose concret, il faut bien amener un combat qui amène la règle au niveau le plus haut instance de l'État, comme les investigés. Donc on fait appel à discipline de l'État sacrée. Nous respectons sa tête sur le mal, dans ce milieu qui est un petit guillemet. Et évidemment, nous avons un débat dépassionné, un débat avec un argument, un débat avec un thème, avec une référence, avec un exemple. Et quand nous sommes là, il faudrait que chacun parmi nous sommes là un petit peu plus grandi dans nos connaissances, le ce qu'on appelle le cannabis ou plus simple, tout simplement grandir. Alors le thème de notre débat, c'est grandir. Est-ce qu'il besoin un nouveau regard pour l'interrogation? Donc, encore une fois, merci à la mouvement patriotique. Vous pensez que vous osez faire une formule que tu peux avancer. Donc, pour l'intervenant, aujourd'hui, nous pouvons dans l'ordre, nous pouvons parler de notre avant pour celle-ci, qui pouvait apporter ce point de vue pour le sujet. Nous pouvons avoir nos camarades José Atou. Nous pouvons avoir nos camarades Anoupa Nkandaï, qui est un avocat, un jeune avocat qui est dans NP, qui est au courant bien sûr de la difficulté qui vient du tribunal. Nous pouvons avoir le docteur Tchagan Aten, qui est docteur en pharmacologie et chimie thérapeutique. Nous pouvons avoir Nathalie Rose du PIRS et aussi l'ancienne directrice, comme on dit, Kounal Naïk du CUP qui peut prendre la parole. Évidemment, on aura une voie de réponse, si jamais, après une intervention, à la fin, un camarade scientifique qui vient préciser cette affaire. Et évidemment, après notre flot, un camarade ici présent, nous prenons le micro à l'aise, que nous sommes capables de faire une observation, de ne pas nous poser pas de questions. Voilà, est-ce qu'on parle contre nos autres disciplines? Oui. Oui ou non? Oui. On t'en souhaite bien. Donc, nous commençons avec le problème. Donc, pour la première plaisir maintenant, accueillir nos amis là, le premier intervenant, sous vos applaudissements, le docteur Rampoussalsi. Pour remercier de toute votre présence, pour remercier mon camarade Adam Niamou qui vient de m'envoyer dans cette cérémonie. Et pour bien dire de toute vos parents, mouvement patriotique, vos apolitiques, vous ne pas dans aucun parti politique. Donc on est même professionnel. Et pendant un gros parti, puisqu'il y a un an, un profil d'équipe. Nous faisons travail dans la psychiatrie et la toxicomanie, l'alcoolisme, c'est un moment que nous faisons beaucoup les temps.
Donc, ce qui me suggère là, le cannabis, bien vous qui aimeriez dans sa débala, et vous serez à continuer un peu, dans sa débala, et il faut aller un peu partout. Donc, premier d'abord, il y a un petit peu qui est fait dans le diable. Quand nous fumons, nous risquons des gammes, et un plaisir euphorique. Nous sentons contents, dans la joie, nous gais, nous relax, nous gagnons envie de rier, et quand on est là, nous pensons que ma dernière est là-bas, finie, de continuer à y aller. Nous gagnons un petit peu sommeil, nous sentons une réelle sensation de plaisir, de détendre, nous détendons. Hein. Et puis, si nous augmentons de un petit peu, nous finissons avec plus, nous n'avons pas de difficultés pour accomplir certains travails. Par exemple, pour conduire, nous capables de zigzaguer. Nous perceptions les temps, d'y changer. Nous trouvons les temps longs. Tout à fait qu'une faible quantité, une petite notion des temps, même visuel aussi. Et ce qui arrive, si nous filmons ça, nous dans un état que nous dans le contentement, nous contentons du plus encore. Mais si nous avons un état triste, sacré, nous sommes capables de pleurer et pleurer à l'église. Et nous avons tendance à oublier ben, les affaires récentes qui nous font pendant qu'ils nous fument et un petit peu avant. Nous venons un peu défendu et un peu paresse. Et maintenant, l'effet un peu physique dépend de nous, dis-moi, de notre constitution, si les hommes ou les femmes, dépend de l'intensité que nous consommons et de notre composition produite. Par exemple, cannabis, qui dépend, c'est pas qu'il y a un pied qui mire, et qui dépend de l'eau-là, dépend de la concentration, sa principe active qui appelle tétrahydrocannabinone qui l'a dans. Donc, l'effet là, nous pouvons avoir un effet de tout pour augmenter, pour faire rapide, pour les guerres pas plus vite, la bouche fine sec. Lisier, des rouges, nous avons la terre superficielle dilatée, et puis parfois nous avons gagné nausée. Alors, nous avons faim aussi, dis-nous dans le bouche, quand on parle d'une vie de. Et ce va l'effet nocif, ce va l'effet qui n'est pas correct, qui n'est pas bon. Souvent, quand nous filmons l'endroit, c'est nous rasons, nous mettons dans la cigarette. Donc, avec cigarette, il y a ce nicotine et il y a ce bouton, colta, là-dedans, qui mélange le tabac. Donc, ça, il a affecté le système respiratoire. Maintenant, nous avons un problème quand nous avons une cigarette, des complications pulmonaires. Donc, l'endia, il donne une indépendance psychique, c'est-à-dire dans nos cerveaux, dans nos esprits. Il pas donne une indépendance physique. Dépendance physique, l'exemple de l'autre, par exemple, l'héroïne. Quand il dit, pas fait d'héroïne, il y a un tremblement, il y a un souffle, tout ce qu'on a, sécrétion augmentée, ce qui est l'armée, il y a une rire. Les salivés, la bave coulée, les souffrés, les diarrhées, et les mains du l'air, les reins, du l'air ventre. Donc, avec le cannabis, il y a symptômes physiques quand il y a rien. Mais quand on fumait régulièrement, les rabais sa dépendance psychique-là, quand les rabais ne sont pas gagnés, ils sont aussi mal à l'aise, ils n'ont pas un peu agité, ils ont un peu restless. Qui est capable de faire voler. Et puis l'autre complication qui est là, Dimon qui filme en diable, donc ce cercle social, ce cercle camarade, il veut qualité. Donc il vient à le rôle de sa produit ici, il vient fréquenter la vie. Par exemple, si Dimon, moi, on dit qu'il y a un peu en diable filmé, on ne peut pas connaître que le grand, on ne peut pas connaître que le gagné. Donc, on vient dans le problème qui gagne, qui l'a donc, pour faire camarade, alors il y a un même moi. Donc, là, ça dit que l'on a mal vu dans la société. Et ça, il fréquente un thé, il fréquente sa vanne là. Donc, ça, il
gros problème qui disparaît. Mon gars va dire tout récemment, parce que là, disparaît un téléphone. Mais là, on pense à un téléphone. Des gros problèmes qui me tiennent tout le temps compte, dépénaliser. C'est, et là, on dit nous, de 20 à 25% qui nous définit en regard. Je bien. Hein, je bien, de moi, eux et moi. Mais quand je suis bien, dit qu'on va dire, déclenche un psychose. On appelle ça un épisode psychotique aigu. Que Timoula m'a agité, Timoula, il y a une hallucination visuelle, auditive, il t'a dans la voix, il trouve piteuse, il y a un délire de persécution, il voit Timoula que refaire petit tôt, il vit anxieux, stressé, il est agité, il y a un épisode confusion, il n'y a pas que les mots qui étaient, il n'y a pas que mon ennemi. Et il vient agressif, ça va agressivité là, capable verbal, capable physique. Hein? Et ça, nous t'y trouvons souvent l'époque marche-moi-tris et que l'époque police. Hein? Que la police, apparemment, tu peux faire un bébé qui est là aujourd'hui, que tu peux préparer une banque, tu peux voir dans le tu peux faire. Hein? Et là, au fil de nous, enfants 13 ans, 14 ans, qui finissent pour avoir une vie médicale dans cet état-là. Hein, donc, ils commencent à trouver un enfant qui s'en met 12 ans, 13 ans, 14 ans, pour un enfant, qui peut trouver, qui met une sorcière, qui la guerre, qui a acheté, qui confond. Donc, dans un humain, 25% de nous, vous êtes bien, mais quand vous êtes fini, on dit à la baisse de bois, par exemple, il est sa maladie-là. Et puis, il y a une autre condition qui m'appelle syndrome d'amotivational syndrome en anglais, syndrome d'amotivé. Ça veut dire qu'il n'a pas été motivé. Hein? Et ça, nous trouvons un paquet de jeunes, adolescents, 14, 15 ans, qui commencent à vivre en bien, des enfants brillants, qui apprennent bien, qui peuvent faire bien dans l'école. Mais quand vous commencez à vivre en bien, vous négligez tout. Vous négligez l'hygiène, vous négligez l'intimité. De faire besoin dans ce placage, pas à l'école, pas à prendre, performance scolaire commence à diminuer. Donc, pour ça, des raisons principales là, motivent tout le temps pour nous. Parce qu'il ne faut pas connaître qui, dans sa, qui s'adapte donc dans sa 25% du monde. Mais, derrière les temps, pour un adulte, ou un adulte, tu veux dans le divin. Et ça dit surtout par rapport à la base qui a de synthétique de faire dans le pays. Jamais on ne peut pas faire pour autant l'admission dans l'hôpital de l'Ontario, la cause d'Andia qui peut faire trouver la cause de la drogue synthétique. Et il va juste dans l'hôpital de l'Ontario, et dans tout l'hôpital général. Parce que si quelqu'un fait une synthétique, il comme c'est. Donc, dans un cas pareil, vous êtes à l'hôpital général. Vous êtes à l'hôpital, je ne sais pas, en bus, flac ou civil. Donc, nous verrons beaucoup à la mission la cause synthétique. Et qui faire? Parce que peut-être synthétique, il faut avancer. Mais la cause synthétique, il y a un produit qui fait dans un laboratoire clandestin. Quand on peut prendre un comprimé de l'Iran ou Panadol, il y en a 500 mg par acétamol là-dedans. Ou si il y en a 500, on appelle à 450, on appelle à 550, on appelle à 600, il y en a 500. Mais ça, non, il peut faire dans le laboratoire clandestin. Ça devait produire, ça produit principal actif qui est par hydrocannabineux, ça devait produire. Mais il est capable d'être plus, il est capable d'être moins. Vous supposez que ça va être pratique comme sec, ça va être pratique d'une armée que nous avons dans corps, que vous êtes vite confus, vous êtes agité, vous êtes en hallucination, vous êtes bien agressif. C'est quand il y a deux ans, plus dans sa produit synthétique. Donc, la cause ça, vous pensez qui nous disait comment on pense de sa affaire dépénalisation mondiale. Et puis, il y a une autre idée. Et puis, une autre raison qui me dit compte en gros, c'est tout le temps, tout le monde pauvre qui dit comme ça dans mon dessin, un zen qui commence par voir le sirop, après il voit le comprimé, après il fait le mondial, après il y a l'héroïne.
Mais 95% des gens qui vivent dans l'India, ils n'ont pas fait de l'héroïne. Donc, à tous les gens qui vivent dans l'India, il y a fait de l'héroïne. Beaucoup illustrent ça par un autre petit calcul qu'ils vont faire. Quand TNS analysis diffère l'année passée, tu prends un échantillon 600 du monde à peu près. Et ça, vous espérez de le faire vite d'une façon bien scientifique et de choisir 600 du monde qui représente société mauricienne. De demander tout l'âge, toute religion, toute région, de mettre. Alors, là-dedans, qu'ils ont-ils trouvé? Ce qui prouve 24% du monde là-dedans, il est déjà filmé. Et puis je trouve 15% du monde qui ont déjà fait le mandat dans des années 4 semaines. Alors, mon film est une statistique population de Maurice. Donc, entre l'âge 15 et 64 ans, nous avons 435 000 hommes. Oubliez madame, nous avons 435 000 hommes. Pour me faire un petit calcul, nous prenons 6-400 000 pour y vivre facile. Donc, si vous êtes 24% de 400 000 hommes là qui ont déjà filmé dans le passé, pas que des fois, il y a un qui mène, il y a un qui mène 10 coups, il y a un qui mène à 50 ans qui ont déjà filmé dans ce génie. Donc, 24%, maintenant, si vous êtes 24% de 400 000, il fait 96 000 qui ont déjà filmé dans le passé. Quand nous extrapolons la population. Quand nous avons été filmés dans les dernières 4 semaines, 15%. Il fait 60 000 qui ont filmé dans les dernières 4 semaines. Et quand on dit, enfin, en haut, on met le métal, qui déjà le roi. L'époque qui nous dit, on met le métal, on met le maximum, donc il y a à peu près 6 000 du monde, 6 000 toxicomanes au métal. Et maximum, pas de gagner en gros, ou il y a une liste qui finit. Quand on n'a pas de pratique de vie. D'après la lecture, par ici, Boris, partout dans le monde, il y a 50% de toxicomanes d'oréoïdes, vous n'êtes pas intéressé à la vie, vous êtes content, vous êtes la vie piquée, vous êtes sale aussi, mais vous êtes content de la vie, 50% va vous vivre vers l'oréoïdes. Ce qui veut dire que si nous tenons 6 000 oréoïdes, un autre 50% qui n'est pas intéressé à l'oréoïdes, nous tenons 12 000 toxicomanes qui prennent l'oréoïdes dans le pays. Donc, à tout casser, si nous montrons même une fois que tu fais une étude de la rapide situation analyse pour l'héroïne dans l'année 2004, voilà, tu trouvais à peu près 20 à 20 000. Donc, à tout casser, si nous me dis, il y a juste 20 000 qui ont l'héroïne. Si nous augmentons, si là nous gonflons, si là. Donc, si 60 000 disponibles finis, cannabis dans les dernières 4 semaines, et si tout ça va dire là vers le haut, héroïne. Vous pouvez utiliser une façon de dire, mais pas façon 50, l'héroïne. Donc, ça dérisque que tous ceux qui commencent par Gandia, il y a eu autre sens à ce niveau, il y a l'héroïne. Il n'est pas correct, il est fausse. Assez bon. Quand on a déposé une commission à l'agro, j'ai dit dans un minute, c'est pour moi une bonne découverte, il ne faut pas s'attendre, il ne pose pas une question dernière, il y a moi qui vaut penser au cannabis. Mais puis il me dit maintenant, vous voyez l'âge, qui vaut gagner, vous traitez, donc oui. Donc vous pouvez voir ça, vous voyez, et en même temps, les gens, c'est qui vous dit pour l'opinion. Vous dites ça, pour bien 25% qui est malade, qui gagne malade avec. Mais petit Eric, les communistes par mot à mot, voilà. Donc, ce qu'il faut penser, si, bon, avant, ils avaient une discussion, voilà, ils avaient en cours avec société civile, ils avaient encore, ils avaient un consensus, ils avaient l'opinion de tout le monde. Et puis, si la cour pouvait pénaliser, ils avaient fait un grand campagne d'éducation, la masse, hein, par les parents. Et là, le gouvernement, vous avez quelqu'un qui regarde combien vous donnez du monde. Quand vous le lisez, vous le lisez samedi, dimanche, vous vous distrayez, vous vous amusez. Tout ça va vous arrêter, vous êtes en vrai, vous êtes une équipe, vous lisez avec l'équipe. Et vous avez un campagne qui parle de vos responsabilités. Et d'après, vous pensez, si la rue, un dimanche,
modifier, il y a tant que la peau de la rue, il donne ce nom, il est enregistré, la rue de l'unité la même langue. Il finit, il prend ça comme dit, il passe, il filme. Il va bien à l'asté. Et néanmoins, si tout du monde qui filme, il prend ce débit en via, il va bien à l'asté, tout ça va dans le sens qui peut vendre les dames. Vous avez bien fait une partie, personne ne va pouvoir l'asté. Personne ne va pouvoir l'acheter. Et néanmoins, le bouquin, oui, répression pas financée. Hein, qui dit héroïne, qui dit non, qui dit même aussi. Donc, et puis, le bouquin, il n'y a pas que Zen, qui trame Zen avec un pégandien, Zen à l'horizon, Zen, Zen, enfant, 15, 17, 20 ans, que le terrain de Paris, c'est cette caméra de moralité, c'est la vie qui est gardée. Léa, population prison diminuée. On a moins de prisonniers. Là, on a plus de 2100, 2500. Il faut diminuer. Donc, il faut que la société, l'État, moins. Et l'hélicoptère, comme vous disiez, c'est vraiment sorti pour la bonne grandeur de montagne. Un coup d'hélicoptère sorti pour le briller, pour veiller, et mon parolien. Un bel somme d'argent dépensé. La police, pas pour perdre des temps. Un trappé, faire l'enquête, remplir, amène la coupe, amène prison, en prison, amène la coupe, ça va tout. La monnaie, hein, l'État, pour rester. Et oui, répression par travail, et puis nous voulons nature humaine. Hein, nature humaine, nous tous, nous comptons s'aimer, nous comptons goûter. Hein, donc, une fois pour capable, on peut se dire, nous, à ce moment, il y a pas répression par empêchement. Dis-nous, je vous fumer, je vous fumer. Dis-nous, je ne vous fumer, je ne vous pas fumer. Et beaucoup pour essayer. Donc, les gens essayent tranquille. Vous n'êtes pas à vous attraper, casser, à l'horizon, tout ça. Mon corps est intitulé et puis une autre affaire dans certains pays. Une autre étude qui vient faire dans la France et dans Hollande. On va te donner dans la France cannabis illégal. Dans Hollande, illégal. Et l'étude qu'il fait au Manzer, il trouvait plus beaucoup de jeunes dans la France, je ne filme dans le diable, je ne sais dans le diable, qui dans Hollande, que le illégal. Donc, tout produit défendu, ça a même petit bout pour tester plus. Et puis, dans certains pays, comme à Luxembourg, dans l'Allemagne, je dis faire un comprimé dans le diable. Et un comprimé dans le diable qui doté dans certaines conditions. Par exemple, dans un douleur chronique, un dimouti galématiste, problème de joints, des os, dans un cancer, dans un problème rénal, au niveau de l'hélicoptère de canadien, il faut être inspiré sur ce là. Donc, et ça, un jour, tu présentes ma groupe, donc, qui gagne une petite plante d'ondia, tu t'appliques, et tu spécialises ça comme médecine, tu plantes, tu vis, et il y a là, tu fais tout le ciel, parce que moi, on est oublié, on a les mêmes déposés. Et maintenant, nous, soit avocat, hein, docteur, soit avocat, mais nous souffrons avec, c'est dit, moi, dans la groupe, docteur, mais est-ce qu'il disposait de prescrire ça? Vous me direz, oui, mais pas dans le contexte actuel, c'est un autre règlement, la loi santé. Donc voilà un petit peu ce qui nous est rendu à jeu. Et vous bien savez, on va pouvoir rester vos questions tout à l'heure, hein, on a une autre présentation un peu loin. Plaisance, vous inquiétez pas, car il y a une autre chose là-bas. Vous remerciez de vos attentions et nous voilà, ça coûterait une chose un peu parce que normalement, on dit qu'on, et vous avez un docteur, vous avez un psychiatre, vous avez un psychiatre qui nous inquiétez à ce faire, d'un coup, un moyen qui était qui m'a aimé faire. Merci de votre attention. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to
drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Mais moi, je tiens un groupe camarade de 27 ans.
ne peut nous citer de la grégorie qui s'en va. Le nom grégorie qui est en cours par les Nessas. Il est en cours. Et aujourd'hui, dans sa tête, c'est qu'on a maintenant notre deuxième siècle qui m'en va. Et bien, c'est bon. Je t'ai décidé. Mon bébé là, on peut faire votre témoignage pour dire Gantia, c'est un amour. Gantia, c'est un pour tous. Gantia, c'est un amour avec tous les autres amours. Et vous connaissez comment on cause l'amour, il y a des dilemmes maladies. 31 ans, il y a des gens d'abstérieur par l'amour aujourd'hui qui sont Gantia qui tue. 31 ans d'abstinence. Mais mon condamné pour vivre avec sa maladie, parce qu'il y a une maladie incurable. Une fois que vous pourrez tous être dans le temps, vous pourrez vivre 31 ans en l'ordre. Et il y a une maladie mortelle pour mon dire, 26 mois quand ma maladie est décédée. Je vous dis, après qu'il m'a fait un programme de réhabilitation, parce qu'on fait tous les moyens pour me sortir dans la drogue. Parce que quand on cause dans le temps, on cause la drogue. Nous avons beaucoup de temps, on peut le garder pendant 15 ans. Et pendant ces 15 ans-là, mon frère, mon famille souffert, mon maman souffert, pleurait pendant 15 ans. On dit l'homme, ils n'avaient pas parlé de soi. Maman pas mangé, pas dormi, pas sur la santé de la vie. Et vous connaissez comment maman est décédée, elle tirait dans le cerveau. Je vous dis, on se met fort pour terminer le combat sans relâche. Pour qu'il y ait plus de monde qui sait que c'est qui dit dans le temps, qui dit n'importe qui pour tuer, vous dites non. Parce qu'il y a souffrance qu'il y a là-dedans. Les consommateurs disent ok, il gagne le plaisir. Mais c'est lui qui vit avec sa consommateur. Parce que sa camarade, qui est assez comptable, comptable, c'est lui. Il est vrai. Mais quand on pose une question, je vous dis que quelqu'un avait 31 ans d'abstinence, nos personnes. Qui fait nous cette réponse, qui fait nous bien sans nous comportement et nous l'attitude. Moi, sa question-là, trop loin pour les moments. Parce qu'en ce moment, on sent des verrous dans son. Et nous en font 14, 15 ans qui viennent la côte, ou directement dans la drogue. Ou il y a 5 camarades qui nous tuent dessus, on va dessus. Tous les cinq sont décédés. Dis-moi, moi, je suis allé Saint-Étienne, je suis allé dans le temps de parler, il est dérivé du content. Donc, quand on est là, on est en mémoire de mon maman qui est beau et en mémoire de tout ça, ma maman qui m'a souffert là. Mon bébé fait la paix. Il n'y a pas de plaisir qui est fait, il n'est pas sage. Aujourd'hui, mon bébé va faire des vies parce que nous sommes morts aujourd'hui. Et mon bébé vit tout simplement. Vous connaissez bien sûr un jeune homme qui pense ça de deux façons. Nous, nous sommes un petit peu grandeur, nous pacifiques, nous pas violents, nous essayons de faire sa conception. Mais très bien, pas bien dans ce qu'il est, parce qu'il fait. Les grandeurs, on laisse les grandeurs, pour moi, les grandeurs, ils vivent plus ça. Mais les gens qu'on se peut produire pour garder les plaisirs et mon bébé. Aujourd'hui, mon beau camé d'un congrès, c'est un moment où ça vient des jours où tu as fait ça comme là, mon Dieu. Jamais on va tout faire. Elle goûte la grosse en gros. Vous avez mon attitude, on ne peut pas sentir en gros. On a beaucoup de camarades qui l'ont dans la salle, qui passent pour moi, qui fait tout, qui voudrait même nous transférer, une famille qui dépense beaucoup. Là, il y a la famille, une dizaine de personnes qui se rompent par jour pour vous dire ça m'a produit. Pour faire des intoxications seulement, 10 000 par jour. Et voilà les conséquences de ce qu'on a fait. En bien de l'argent, quand il y a un des états, on fait des millions pour ma famille. Parce que ma famille, si on vient sans casino pour péter, ça va être un problème de l'argent. Mais aujourd'hui, mon groupe est sorti ça, mon groupe est sorti sa lumière là. Mon groupe est des liens, des pères. Mon tiers de manger dans toutes les façons qu'il y a. Tout ce qui s'est fait tombe dans la faillite. Moi, personnellement, mon but est l'enjeune. Mon but est l'enjeune. Ce qui est un signe, vous pouvez venir au Kéouda, vous l'utilisez la vie avec vous, du Kéouda, ok, vous respectez-vous. Mais le fait de travailler, ça prend son temps.
avec sa nouvelle génération qui est là aujourd'hui. Pas évident. Pas évident. Tous les jours, maman vient pleurer dans le sang. Il n'a rien à dire, pas plus d'obtenir. Et maman, costaud pour elle. Pour peine à elle, pour ma vie. Il dit à son garçon, pas qu'on est défié. Il dit à elle, tout le monde est à son habitat. Tout le monde est à son habitat. Et en souffrance, alors, moi-même, nous vivons une longue année, j'ai plaisir. Il m'a choisi, ça a été bien ça. Nous pouvons bien vivre en route d'ailleurs. Mais moi, je vais être un petit peu. L'autorité fait au bout de l'autorité dit, vous êtes d'accord, vous donnez le d'accord. Et pas de tout est à l'heure pas mort, et de le soupçon de la personne. L'argent public, ça leur s'en sort dans le poste, le but dans le petit poste, on dit ça. Vous avez ce travail social, l'autre. Malheureusement, vous avez besoin de et la journée, c'est la pierre, c'est pas l'alcool, ça c'est la pierre. Parole. Donc, nous nous inconnus qui nous viennent dans la vie. Il a beaucoup de plaisir dans la vie. Vous savez, on dit que tu en es même dans les sportifs, moi. Vous êtes en correspondance, vous avez hors jeu des hauts internationaux. Malheureusement, ça peut être dans un petit moment là. Nous ne pouvons pas faire la colle, vous ne pouvons pas faire la contiste, vous ne pouvons pas faire la colle. Parce que ça vient au corps, on va accepter de dire moi, on va être parfait, je suis content tranquille. Moi, on va vivre une guerre personnellement. Mais c'est bon. Aujourd'hui, vos sentiments, vous-même, avec lesquels, vos sentiments mal dans la peau, ce qui va faire, parce que mon corps est payé sans prix. Vous voulez, je tiens le fil dans la peau. Mon corps sont aussi là comme dans la peau aujourd'hui. Parce que papa, tu dis mon pied. Dis-le sur le canal. Dis-le sur le canal, Michel. Maintenant, pour maman, il y a beaucoup encore. Ou, capable de la politique, ou moi, mon sentiment, pour dire, sorry. Quand je me pose, à la cour, il me sait qu'on est qui me petit, parce qu'on peut pas tant connaissant des causes. Mon copain vit avec souffrance, mon copain vit avec sa propre, tu vas là. D'ailleurs, on est plus vite, il y a des gens qui n'ont pas vécu pour m'absence. Mouillé, parce que si mon mari est mouillé, mon mari. Et si mon mari est mouillé, c'est difficile pour moi. Je vais juste aujourd'hui me démonter de mon courage. Pour amener sa vie, qui vous permettez là, ce qu'il y a des jours. Vous respectez ce que je veux, mais non. Mais au moins, essayez pour moi. Si mon accepté mon type dans sa session aujourd'hui, ça débat là. Ce qui m'a mis, c'est que moi-même, mon corps peut sortir sa lumière. Mon élément, il est inévitable pour moi pour travailler, c'est ça. Moi, pour un chapeau, millions aussi pour obtenir, c'était sa maman qui m'a interrogé. Sa maman qui m'a précipité une année, trop pleurée. Elle m'a pas content sur son enfant, ça. Elle m'a pas content sur son enfant, ça. Elle m'a pas content sur son enfant, qui vit mal dans ce monde. Donc, qui dit ton cas, dit son nom d'attitude, dit son nom de comportement. Pour moi, sauver, il ne faut pas l'expiation. On va aller à l'expiation pour respecter ce que tous les autres vivent. Mais moi, je peux vivre mon avis mal. Quand il y a un an d'abstinence, mon pauvre peut vivre mon avis avec beaucoup de difficultés. Donc, il est aidé pour que ça dans le cimetière d'être un frère. Parce que ça fait des coups d'entraînement, on va bien traiter le silence, ça a dit, on vient dire moi. Quand tu vis même dans le cadre, alors, camarades, je vais vous faire 30 secondes. Bien sûr. Conclure. Vous connaissez là, on a beaucoup causé, Lola, et on a beaucoup causé. Malheureusement, moi, je disais, pour vous, avant de généraliser, avant de légaliser, avant de généraliser. Voilà, et bien, vous avez fait un merci à tous les groupes. Sauf si vous avez des gens You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can
can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Et dans le plan, si vous voulez, vous avez une question, il y a deux affaires à lui, vous avez une question, vous avez une question.
avec un trafiquant. Mon corps cassé normal, dans la loi actuelle, est un diboule qui construit sous sentence, évidemment, n'est pas pour le même qu'un diboule qui fait trop de qui est trafiquant. Mais c'est bon, pour nous, enfin pour moi, comment la loi était malheureux qui le Didier, comment il était à ce moment-là ne pas faire aucune dévocation par rapport à la quantité de drogue qui est du monde qui est là pour pouvoir faire la différence est-ce qu'il y a du monde qui est un consommateur ou soit un trafiquant. Pour un exemple, par exemple, dans le pays, par exemple Singapour, dans la loi, ce n'est pas une certaine quantité de drogue qui fait stipuler, qui vient signer tant quantité qui peut être traité comme un consommateur, ou soit s'il y a tant quantité qui peut être traité comme un trafiquant. L'spécifique. Et là, ce qui vous capable de dire, car il n'y a pas de la loi, vous êtes le protocole que l'autorité suit. Mais en l'absence de ça, comment vous le trouvez? Vous vous trouvez bien souvent ça, hein, vous trouvez bien un courrier national, à tout à côté, il y a des gens qui finissent arrêtés avec quelques courriers de cordial, ou soit un fait de cannabis, mais quand même, la police peut-être change de drogue. Les lettres c'est la cour, on va voir la cour, les lettres qui sont sécurisées dans le terme légal, le surrounding circumstances of the arrest, c'est-à-dire qui circonstance, c'est une affaire d'arrêter, qui nous guérit, on va dire que c'est là où je peux dire, est-ce qu'il n'a pas affaire à l'IA, est-ce qu'il n'a pas affaire à l'IA, bombes, aiguilles, etc. À ce moment-là, la cour, il ne se charge pas si vous décidez, si vous êtes cassé et dépendé de l'IA, vous trouvez un diplôme coupable, si c'est comme consommateur, ou soit trouver un diplôme coupable pour drogue. Donc pour moi, ça c'est pour un point, maintenant, si nous sommes capables de mettre la loi, à nous bien structurer, à nous ventiler, à nous mettre dans le guideline, dans le protocole, pas à n'importe qui du monde avec n'importe quel conseil, nous dit peut-être chose d'idée. Et dans notre fait, bien souvent, qui nous trouvait encore, le Dangerous Drugs Act est la vie offense. On va vous dire populaire, mais la vie offense qui est souvent en Dijon, par là-dessous, mais avec Dijon, la vie offense, elle, c'est possession de cannabis pour purpose of selling, c'est-à-dire on a cannabis pour vendre, ou soit possession de cannabis pour purpose of distribution, ou en possession de cannabis pour distribuer. Vous trouvez ça, dans le cas de Dijon, il y a un lien avec ce qu'on appelle l'immense. Ça, il est plus à grand terme, il y a la police qui vient mettre un drug dealer, mais qui fait rien. Parce que quand ça fait, il a peut-être un langue, la police qui est, par exemple, pour l'exemple, une scène qui vient quand il y a là. Tu peux poser des choses, mais qui n'est-ce pas que ça? Tu peux filmer ça, tu sais, ça fait des choses pour partager ma rate, tu peux le faire avec ma rate, tu peux filmer ça. Et puis, si il peut le moyen, il peut appeler un auteur, il n'est pas connu qui vous répond, mais qui vous gère. Au lieu de prendre, elle était comme des choses, elle était comme la responsabilité, et moi, tu peux partager ça, tu peux le voir avec ma rate. La société a eu pensé que c'est un peu poil sur les épaules. Non! Comment il dit ça? Qu'il m'a dit pour distribuer, il m'a dit pas que pour distribuer. Il m'a dit pour filmer ça et pour mettre pas mal. Il est assez pour la police pour être chargé de drug dealing aux États-Unis. Le simple élément est là où il est capable de faire ça comme une interprétation. Une interprétation, c'est-à-dire que du moment qu'il m'a dit, moi j'ai 5 couilles avec moi là, oui, et moi j'ai un pour filmer ça et pour mettre pas mal. Une distribution, donc vous avez été poursuivi pour dîner. Pour dîner, la cour s'est oubliée ou pas, fini, certificat de validité en accès, ou une sorte de dealer, ou capable de décider 20, 21, 21 dollars, ou une sorte de dealer, ou quand il y a une fin de la même, et vous vous dites bien, un probable, qu'il y ait votre employeur, ou vous venez de dire un travail, dans ce certificat de caractère, et une sorte de drug dealer, qui est une chose sérieuse quand même. Ceci étant dit, il faut aussi dire que le cannabis, comparativement avec les autres alcools, nous, la cour, quand on dit dans les langues, le cannabis, comme tout ce qui est important de détruire notre acte, fait une distinction entre cannabis et les autres alcools. Même nous, on dit, la cour, on fait qualifier cannabis de la soft drug, right? Comparativement avec l'héroïne, votre sentence est évidemment plus forte. Quand vous trouvez aussi, là, vous avez fait référence, drug dealing, quand vous trouvez un diplôme qui fait des profs ou pas sur drug dealing, mais qui gagne un amant
pas nécessairement s'il peut monter ses dents, il peut être privé des autres, comme on disait dans le terminal. Quand une fois il y a un problème avec la police, il y a un amal, mais n'empêche, c'est un amal faux. Le plus que c'est un amal, 200 000, 300 000 roupies, des manques qui valaient la peau, il gagnait avec ça, c'est là. Encore une fois. Donc, pour rappeur, si un jour il gagne un amal de 300 000 roupies, pour pas l'expliquer, donc déjà il y a été de 10 jours, et ensuite ça devient capable d'extendre jusqu'à maximum 1 an. Il vous dit, tout ça, ça doit être privé. Mais vous visez là, quand vous le ressentez, vous êtes comme fait, sinon, vous êtes dans le civil, ou à la prison. Comment vous pouvez dire, comparativement avec ma maison d'abord, la cour est dans la procédure qui souple, ok? Mais n'empêche qu'il y a souvent conséquence, même pour par rapport à la liberté provisoire. Vous pouvez dire ça, vous pouvez être arrêté avec la cour. Comme il y a des délais, la pratique, c'est que la police est objectée à son remise en liberté provisoire. Là, si vous n'avez pas besoin devant le bien et mal autre, il y a une motion pour lesquelles sur motion. S'il est un moyen, tant mieux. S'il est un moyen, il vous avez les conséquences de l'état de notre misère. Et ça, là aussi, moi, je trouve ça bien à faire, pas correct, c'est même les pénaux décédants, même les panneaux en caution. La police, quand même, c'est un parti civil pour une objection. Elle nous a fait une opinion sur cette loi. Donc, pour conclure, vous pensez qu'il maintenant, vous pouvez vous mettre de l'avant. Nous disons en fait, c'est un bon protocole, un bon guideline, une bonne autorité capable d'agir avec un certain souplesse. Donc, vous laissez le débat continuer. Encore une fois, nous dire bravo au mouvement patriotique, vous venez de la fin de ce débat-là. Papa m'a présenté, il était là, mais je n'ai pas fait de pause, qui a dit. On va peut-être mettre un état d'intérêt parce qu'il est déjà parti, nous fait prendre devant, nous fait faire des. Maintenant, il y a un proverbe qui dit The best time to plant a tree was 20 years ago, the second best time is now. Ça veut dire, nous peut faire libre, nous peut faire, nous peut faire, nous peut aider le débat, nous peut dire, comme le président dit, we stand to make a peace. À nous saisir l'occasion, nous les demandons, et la dernière vidéo, la dernière de camarades qui nous encore, nous faisons le maximum pour connaître si effectivement nous avons nouveau regard, l'augmente. Merci. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write. How to win. And how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Deux fois en 55 ans, mon cause créole depuis à peu près 3 ans.
3 ans. Si vous considérez pour une maison, je vais passer un peu plus tôt. Ramadan, comme on dit, on dit, à l'os pour du piment. Si vous dites, on dit piment, on dit piment, on dit piment. Bon, donc pour ne pas faire d'erreur, je vous pas vous faire rigoler, je vais parler en français. D'abord, naturellement, je voudrais remercier, je crois qu'à Maurice, notre bon dit honorable Alain Gallou, c'est ce que j'ai appris, et naturellement tout le comité du MAP. Mais ma présence à ce forum-là n'a absolument rien de politique. Et d'ailleurs, je remercie d'avoir fait une réunion à politique. À Maurice, pour l'instant, je n'adhère à aucun parti. Je dis bien pour l'instant. Je suis un socialiste, qu'on appelle socialiste mitterrandiste, donc de François Mitterrand en France, depuis près de 45 ans. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ma voie avec cette année ma couleur. Deuxième chose que je voudrais vous dire avant de faire ma présentation, et je crois que les Mauriciens, vous l'avez, c'est avoir un esprit critique. Critique avec un pas, avec un petit C, pas un petit C minuscule, avec un C majuscule. C'est-à-dire, ne prenez pas pour argent comptant, comme on dit, tout ce qu'on vous dit. Que ce soit des politiciens, que ce soit des gens comme moi, des chercheurs, essayez d'avoir cet esprit critique, faites votre propre recherche. Ceci naturellement voilà ce que je vais vous dire. Ne dites pas voilà, le docteur Janissen a dit que. Non, il a dit que, il le pense spécialement ensuite de faire votre recherche et de dire non, il a tort. Moi je suis à la discussion, si vous dites que j'ai tort, je vais accepter mes torts. Bon, ceci étant dit, ayez toujours à l'esprit ce que vous m'avez vu, et je pense que Maurice sont aussi le yin et le yang, la thèse et l'antithèse, et le vrai et le faux. Voilà. Après cette petite introduction, je vais vous parler du cannabis. Je pourrais répondre à la question s'il y a eu des morts avec le cannabis, mais ça peut-être à la fin de la discussion, on reviendra sur cela. Il n'y en a pas eu, il n'y a pas eu des morts, mais je vous raconterai lors de la discussion à la fin. Alors, je vais parler maintenant du cannabis au niveau médical. Je ne vous donne pas mon avis, j'ai des avis que je pourrais vous donner, mais je vous parle uniquement du point de vue médical. Déjà, la plante elle-même, c'est une des. La plante elle-même, c'est une des premières plantes qui a été domestiquée par l'homme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire à peu près 9000 ans avant Jésus-Christ, les hommes se sont dit tiens, on va faire pousser cette plante dans la chambre. Et elle a été utilisée d'abord pour faire des cordages, pour faire du papier, pour faire des vêtements, pour faire même des briques, des bâtiments ont été construits avec le cannabis. Ensuite, il y a eu un usage qu'on appelle psychotropique, c'est-à-dire ce qu'on dit avant, une drogue qui va agir au niveau du cerveau. C'est un mot qui est un peu psychotropique, ça fait un peu très scientifique. On peut l'appeler récréatif, c'est ce qu'on appelle récréatif en France. Mais moi, je préfère un petit mot mauricien, le Lissa, je trouve que ça suffit à le Lissa. Voilà, donc ça, c'est l'aspect. Ce Lissa, ce produit, est utilisé dans cet aspect récréatif uniquement à partir des années 1950. Vous voyez, ça a commencé il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, et entre temps, dans les années 50-1950. Son effet est en fait dû à plusieurs produits, entre autres le THC, c'est passé, là, je vais juste passer le. Voilà. Ça c'est un autre produit qu'on appelle le CBD et le THC. Le THC est une molécule assez complexe. Oubliez le mot du travail au carbone. THC, c'est très bon. Et il y a le produit qui peut répéter. Donc il y a l'autre qui est le CBD. Oubliez le nom, carbinol, etc. Tout ça forme partie d'une famille qu'on appelle le platinoïde. Voilà. Ensuite, donc ça c'est l'effet psychotrope, enfin psycho, est dû surtout au THC. Surtout au THC. Et l'effet médicamenteux, l'effet thérapeutique, est dû au CBD. On reverra ça par la suite. Ensuite, il y a un usage. Il y a
qui parlent latin et slavique dans le domaine religieux, et ça vous le savez certainement mieux que moi. Elle a été considérée déjà comme une plante magique par les Indiens. On l'utilisait pendant des rituels funéraires. Je faisais déjà à l'époque parler des esprits, etc. Je ne vous parlerai pas de. Je vous parlerai pas de. Non, ça c'est pas la même voix. Je vous parlerai pas de Shiva. Je peux simplement vous dire que j'étais Ganjagor, c'est ça? Ganjagor. Je ne vous parlerai pas de Jésus-Christ, qui a fait de nombreux miracles avec l'huile d'onction. L'huile d'onction. Donc on a remarqué que cette huile d'onction contenait des ingrédients du cannabis qui permettaient de faire des miracles au niveau des aveugles, au niveau des gens qui ne pouvaient plus marcher. C'est un autre problème qu'on pourra discuter d'autres fois. Après ce tour d'horizon, on revient maintenant au sujet des différents aspects, des tuiles, etc. On va parler de l'aspect thérapeutique. Thérapeutique, c'est aussi un mot un peu scientifique, l'aspect médical, plus simple. On retrouve son utilisation au niveau thérapeutique, au niveau médical, très longtemps. J'avais expliqué ça aussi dans la tradition anti-drogue, moi j'ai un peu combien. 2500 ans avant Jésus-Christ, il y a une dynastie qu'on appelle la dynastie Ming, certainement que vous connaissez peut-être, la dynastie Ming en Chine, qui utilisait déjà ce produit. Il était utilisé chez les Chinois pour différentes choses, les règles douloureuses, les hémorragies, surtout les hémorragies avec l'accouchement naturellement, il était utilisé pour le diabète, il était utilisé pour les rhumatismes, ça rappelle que j'ai un peu d'eau, il était utilisé pour les diarrhées, ça ne rappelle rien, il était utilisé pour les vers intestinaux, pour la fièvre, pour les vomissements, 2500 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, 1500 ans avant Jésus-Christ, c'était considéré comme, en Inde comme une plante magique. Comme une plante magique, donc utilisée dans de nombreuses pathologies, dans de nombreuses maladies. 1800 avant Jésus-Christ, donc le 18e siècle avant Jésus-Christ, c'est les Égyptiens qui l'utilisaient. On en a retrouvé dans les tombes. Vous savez, dans les tombes, des différents. On appelle ça les pyramides. On va retrouver des huiles et des feuilles de cannabis pour les rois égyptiens. Voilà. Ensuite, le temps a passé. Au 15e siècle, c'est-à-dire vers 1400, on a commencé à l'utiliser pour d'autres maladies. La nausée, la constipation, les intoxications, les maladies de la peau, la lèpre surtout, et les divers accès. Au 18e siècle, 1700, voilà, elle est utilisée pour d'autres choses, analgésie, sédative. Antispasmodique, c'est permet de dilater. Antispasmodique, c'est ça, dilater, donc faciliter le mouvement. De nos jours, elle est utilisée dans de nombreuses maladies. Mais avant de vous exposer tout ça, non, pas encore. Avant de vous exposer tout ça, c'est vrai que c'est samedi, vous avez du temps de vous déplacer, je ne vais pas vous faire un cours de pharmacologie. Mais je vais juste vous expliquer comment marche un médicament. Un médicament, c'est très simple. C'est. Après les enfants qui parlent derrière. Un médicament, c'est très simple. Imaginez-vous simplement une serrure et une clé. Une serrure et une clé. Je crois qu'on avait une image de Wesh. Ah, Wesh. On avait une image sur les jeux des enfants. Tu peux passer le jeu des enfants? Donc, regardez l'image sur les jeux des enfants. De notre corps, de la tête aux pieds, on a des serrures. Ou alors, si vous considérez, voilà, dans notre corps, on a ce que vous voyez en haut, des petits trous là, un cercle, un carré, un triangle, un losange. Qu'est-ce que c'est? Bref, ça se trouve partout dans notre corps. C'est ce qu'on appelle, je vous ai parlé de serrure, mais dans notre corps, on appelle ça un récepteur. Mais oubliez-le. Billet. J'aime bien cette expression grossière. Billet.
Et chaque chose que vous voyez en rouge, en jaune, c'est un médicament. Alors c'est un médicament, il faut trouver. Voilà, il y a par exemple dans le cerveau un récepteur qui est rond. Ben, si vous donnez un médicament qui est carré, ça n'ira pas au niveau du cerveau. Ou un médicament qui est telle et telle forme. Ça, c'est sur la partie. C'est vraiment les bases de la pharmacologie. On appelle ça récepteur, et ça, on appelle ça. Le récepteur, c'est les trous, et les choses en bois colorées, c'est ce qu'on appelle les ligands. Ligands, on va les expliquer. Voilà. Maintenant, on peut peut-être passer rapidement au retour. Passe-moi le mèche, le THC, le CBD. Trois, d'accord. Comme une soirée. Le docteur Bouta est un spécialiste, Sandeep Bouta, qui est un des premiers à montrer l'effet thérapeutique, la puissance des effets thérapeutiques sur le corps en entier. Donc il dit qu'on a attendu beaucoup trop de temps pour développer ces produits, alors qu'on avait tous les éléments pour le faire. Depuis 9 000 ans avant Jésus-Christ, il demande des excuses pour ça d'ailleurs. Après le Jarès, 3 000 ans, etc. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fait ça. Donc c'est des directeurs de recherche. Ce sont des instituts qui sont reconnus mondialement, hein. C'est pas un petit institut. Voilà. Ça, c'est le CBD qui n'a pas d'action d'addiction. Il y a l'effet thérapeutique, n'oubliez pas, c'est le CBD, c'est pas le THC, l'effet thérapeutique. Sur l'inflammation, sur la neuropathie, etc. Peut-être arrêter à la dernière chiffre et le passer dans l'ensemble des médicaments, l'ensemble des pathologies. Ça va aller dans, ça va être très vite, comment sera donc le 21e siècle, donc de nos jours, là où en tout cas le cannabis est autorisé médicalement, il est employé dans de nombreuses maladies qui vont être liées, on va passer vite, mais attends, arrête-toi, j'ai une minute. Voilà. Je disais à un ami pneumologue que pour l'asthme, le cannabis était très bon. Cet ami pneumologue me dit que non. Avec son expérience, il me dit non. Par contre, son professeur à Paris, à l'hôpital Saint-Jean-Pierre, qui envoie des centaines, me dit que c'est bon pour les asthmatiques, les enfants asthmatiques. Donc, à un moment, c'est du quoi penser que l'un qui dit ça, l'autre dit ça, qu'est-ce que je vais prendre, mon ami ou alors le professeur? En fait, je crois qu'ils ont tous les deux raisons. Ça peut marcher dans certains cas, c'est comme tout médicament, ça marche dans ce cas-là, ça ne marche pas dans l'autre. Ensuite, il faut, je vais donner un terme qu'on appelle la galénique. La galénique, c'est quoi? C'est la forme du médicament. Ça vient d'une notion grecque, ça vient de ce galénique. Par exemple, le sirop, c'est une forme galénique. Le comprimé, c'est une forme galénique. La fumée, etc. Et quand je disais que c'était bon pour les enfants, les gens s'imaginaient que j'allais dire à l'enfant, à peine si vous êtes là, c'est fini. Non, non, c'est pas ça du tout, c'est pas que mon petit garçon de 3-4 ans, vas-y, passez à l'enfant. On peut faire des produits, une huile qu'on appelle de pep, de poil, qui peut être mis dans des comprimés ou qui peut être mis sur la langue. Alors, on va passer très rapidement, mais il y a une chose que je veux dire, il y a énormément de maladies, il y a pratiquement toutes les maladies. D'après ce que je vois, c'est considéré, j'ai un document ici, des National Geographic, et qui marque marijuana super médicament. Ça, on a l'impression, en voyant cette liste, vous allez voir cette liste, on a l'impression que c'est un produit miracle. Je fais partie de ceux qui ne croient pas au miracle. J'ai un peu du mal à penser tout ça, à être sûr que c'est valable dans l'anorexie, dans l'autisme, dans le cancer. Le cancer, mais j'y crois. Dans la dépression, oui, dans le diabète, l'endocrine, dans la fibromyalgie. Ce sont pratiquement toutes les maladies, dans les problèmes du foie, dans les problèmes métaboliques, dans la migraine, j'y crois aussi pas mal, dans la sclérose en plaques, oui, dans les osiers. Dans l'obésité, je ne sais pas vraiment, dans le Parkinson, oui. Donc, dans les rhumatismes, enfin, bref, on peut continuer jusqu'à l'Est, dans les zones, on continue. Voilà. Il existe plusieurs formes, c'est ce que je viens de vous dire.
et dont la disponibilité dépend naturellement du pays. Si notre pays légalise, et d'ailleurs c'est ce qui se passe actuellement, moi j'avais demandé personnellement à ce que j'en fabrique, qu'on me donne deux arpents de terrain sur une île, si possible, pour qu'on ne vienne pas me piquer le soir, et je pourrais faire du pain-roll, et on pourrait être un des premiers pays à vendre ou à exporter l'huile qui pourrait servir dans différents palais. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je voudrais juste terminer encore par une dernière petite phrase que j'avais vue quelque part. Oui, ce qui faudrait, c'est une dépénalisation. Je suis pour une dépénalisation, mais une dépénalisation qu'on appelle une dépénalisation encadrée. C'est pas n'importe comment, c'est pas pour nous. Et ensuite, c'est peut-être les politiciens, à part les politiciens, ont un peu peur de se lancer dans la dépénalisation, dans la légalisation. Et je crois que c'est à vous, la société civile, d'aider nos politiciens à avancer dans cette voie. Voilà, je voudrais vous remercier. Sorry pour pas que nous parlons pour un cosplay, pour ma seule, mais pour espérer que vous compreniez ce qui vous tient envie d'y aller. Eh bien, merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write. How to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance. When to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream. How to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Qui 15%, c'est un gros chiffre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de
de nos concitoyens qui soient déjà CD ou qui préfèrent le cannabis de manière plus régulière. Donc, ça veut dire que ça a débat et à tout autre place dans la société aujourd'hui. Alors, qui, quand on peut parler de l'impact qui est consommation dans le direct, qui va risquer de ne pas penser et les affaires qui souvent le tendent et même par le camarade avant de finir mentionné, c'est le gateway drug. Ça veut dire que quand on dit qu'on consomme dans le direct aujourd'hui, t'es bien les poils, t'es bien les autres alcools. Non pas pour rentrer en détail là, parce qu'il fait une couverture, mais c'est en gros pour notre réseau qui, 10 ans avant, 160 millions d'immunes qui étaient faits dans le diable. Et si même Gandia tient le gateway drug, après 10 ans, 10 ans et 1, beaucoup plus d'immunes qui tu peux consommer dans les autres drogues. Si Gandia tu fais d'immunes automatiquement consommer dans les autres affaires. Donc, par rapport à un chiffre que nous trouvons, ça c'est un chiffre des Nations Unies, un chiffre pas soutenu à cette théorie-là. Donc, pareil, comme on le terrain que ça a assez avant de dire, les parties tout automatiques, et quand ils disent qu'ils consomment dans le diable aujourd'hui, des mêmes profils grands, un peu comme dans ces mêmes dans ce domaine, les pas automatiquement parce que ça. Donc finalement, quand on regarde bien, mais qu'est-ce qu'on va dire si la gateway theory, finalement, n'est pas une théorie qui paraît plausible. Qui plus gros risque aujourd'hui qu'il y a par rapport à dans le diable? Donc, quand on pose la question, c'est bon. Exactement. Zodi, ce qui nous a pas trouvé, c'est qui? On va dire c'est le risque qui est là sur l'arrestation, mais tout le monde qui consomme cannabis dans le risque, il peut exposer, on peut arrêter, on peut consommer, il peut exposer. Donc, on a un peu plus en sens directionnel par rapport à nos petits Zodi avec Zod. Donc, qui n'aime pas l'arrestation et la loi? Premièrement, stigmatisation. Vous connaissez, si un tout pays comme Maurice, un petit pays, tout le monde comme tout le monde, qui dit qu'on cause tout le monde, quand un petit monde vient attrapé, un petit monde vient fermé, un petit monde commence à se poser, lui-même, sa réputation, sa réputation capable d'affecter, et pas seulement un petit monde. Quand un petit monde est en prison, souvent, c'est toute sa famille qui est capable et là, ça. Même problème, ça veut dire que la réputation de la famille, etc. etc. Donc l'impact de l'arrestation, c'est qu'il diminue sa réputation des enjeux. Ça veut quand même problème aussi par rapport à son travail. Deuxième impact, c'est prison sortie, pas pour rien, il diminue avec ça à l'université. Et l'exemple qu'il nous prend, c'est que si un diminue est arrêté à cause qu'il y a des biens, qu'il y a des grands, qu'il y a des grands, et qu'il y a en prison, diminue avec pas mal d'une poule. Les gens se vendent bien d'une poule. Donc, il y a dans prison, et là, ben, grand criminel. Ben, criminel qui fait ben, des affaires tout plus graves, ben, d'une poule plus cancérée. Et à cause de la loi Gandia, ça dit qu'on a pour retrouver des côtoies et d'une poule qui est beaucoup plus dangereux, qui, quelquefois, s'il va s'y arrêter, passer dans prison, il va t'y payer un fréquent avec d'une poule qui est potentiellement plus cancérée. Ça, c'est des affaires. Deuxième affaire, car un diminué qui est une grande tout le long de la vie, mais il y a une prison, et en prison, il y a même les autres là. On ne peut pas dire que les autres là sont en prison, mais le fait qu'il y ait une prison, fait un même lié à que toi et un diminué qui consomme les autres là. Ce qu'on peut me dire, c'est que car ce diminué là, s'il n'est pas tiré en prison, et bien il y a moi qui y a, il va dire forcément qu'il y a un contact avec les autres là. Donc, en prison, monsieur ne peut pas comprendre ça. Non, rien. Si un diminué gagne contact avec un autre drogue, si arrivé, il commence à consommer les autres drogues, pénalisation du propre en prison, pénal, préservatif en prison, le diminué connaît qu'il peut dévenir en prison. Donc, à cause de la loi-là, ça diminue-là, il peut exploser. Donc, ça, c'est un deuxième affaire par rapport à l'impact qu'il a la station de la loi à diminuer. Troisième affaire, c'est. Certificat moralité, ce qu'on appelle certificate of character. Donc, à ce qu'il y a, aujourd'hui, on appelle certificate of character, c'est que si on a un caisse la loi, parce qu'on dit, bien sûr, on est dangereuse, donc, comment on va dire la loi, c'est qu'on a un drogue. Si on dit qu'on a un caisse la loi, avec ce certificat moralité, il va vous gagner
dans ce papier. Donc ça, il a un gros impact. Si c'est un zen, avec un zen qui a envie d'aller étudier, qui a envie d'aller voyager, si on a les moyens pour faire ça, et dans beaucoup de pays, que si Péla a un certificat de moralité propre, pas capable dans l'université, pas capable de voyager, aussi, bien sûr, un diplôme pour le travail. Nous voulons bien connaître nos risques. Pratiquement tout travail qui nous rendait, je demande un certificat de moralité. Donc, un diplôme, encore une fois, on peut prendre l'exemple, si à cause d'un Pouya ou un grand peu importe, il a arrêté, il voudrait que ça va travailler dans les pays et qu'il y ait beaucoup de problèmes pour gagner un travail et forcément, ça ne gagne pas pour sur l'insertion ou réinsertion sociale. Insérer socialement et pour qu'il soit capable d'avancer dans la vie. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'à cause de la loi non mondiale, tout ça va arriver à l'intérieur. Alors donc, ça amène une réflexion qui finalement, la question que vous pouvez poser, c'est qui fait la réponse d'entraînante? Et aussi, l'autre question, est-ce qu'il finalement prison avec consommation mondiale. Si vous regardez bien, depuis combien d'années Gandia illégal dans Maurice. Donc je me trouve même un article pour la députée Salmon qui peut dire qu'en 1934, Gandia est illégal dans Maurice. Mais vous pensez, d'après ce qui m'est tombé, c'est déjà les années 80 que la répression commence bien fort dans Maurice. Si le lieu depuis les années 80, presque 40 ans est passé. Il continue à faire du monde, il continue à faire la répression. Si le lieu 21 années, depuis 2011 jusqu'à 2015, répression au Gandia a doublé. Des fois plus du monde inarrêté à cause de Gandia, ça va bien une année. Ça, c'est un chiffre de rapport du judiciaire publié qui est online. Donc, ce qu'il peut trouver, c'est que répression peut augmenter. Est-ce qu'il trafic continué malgré le fait que sa répression a fait augmenter. Donc voilà, ça c'est nos prochaines questions. Est-ce qu'il, malgré toute sa répression-là, est-ce qu'il arrête du coup, arrête le trafic? Partout où nous passons, nous attendons, consommation peut augmenter, consommation peut augmenter, etc. Donc on pensait qu'il est assez juste de poser la question. Mais si ça système n'est plus prend ben, d'immune, ben, le consommateur met ceux dans la prison et qu'il n'y pas permet aucun résultat, mais finalement, est-ce qu'il va y arriver pour poser la question? Est-ce qu'il fonctionnait, sa logique qui dit quand un d'immune peut consommer, quand il est en prison, problème pour régler, pour arrêter de consommer, le trafic pour arrêter? On ne peut que dans le système, on ne peut que la réalité paraît qu'il non. En théorie, que si un démon est consommé, il est en bandit, même si il est en prison, il pourrait être consommé et trafic pourrait être. Dans la pratique, c'est parce qu'il est trouvé. Donc, on pensait qu'il est assez judicieux qui nous pose la question. Mais est-ce qu'il y a un sens, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un sens qui prend des démons et les œufs en prison parce qu'ils ont pu consommer un produit qu'on va vendre. Oui, donc ça aussi, je repasse rapidement au chiffre qui m'ont gagné aussi dans sa rapport qui m'ont fait mentionner là. Donc, si vous êtes bien, Maurice, bon, on passe bien de manière hybride, hein, nous mettons ensemble, on va dire qu'on fait importation, qui plante et qui fait dealing Gandia. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui plantent, qui ne peuvent pas forcément vendre, qui ne peuvent pas forcément vendre trafic en droit de l'heure. Si on met tout ça ensemble, ça veut dire tout le monde qui n'a arrêté à cause de Gandia dans Maurice, 86% c'est mal consommateur. Donc est-ce qu'il peut arrêter le trafic de Gandia? Si la majorité de gens qui a arrêté à cause de Gandia, c'est mal consommateur. Le dépensif, 86%. Qui ça 86% là? Je vais poser une qui n'a arrêté pour possession et pour consommation. Et pour faire une petite parenthèse, possession c'est Gandia and Articles. Ce qui veut dire qu'il est à cause d'un papier, à cause d'un bon, à cause d'un taf, à cause de tout ça dans sa vie qui s'est là, qui nous fait arrêter. Et vous pouvez bien arrêter cette archive du judiciaire, ça c'est la vérité à Maurice.
lien avec une possession et une identité grandia. Il n'y a pas une first offender, mais c'est une trappe plus haute. Ça veut dire que c'est pour lui. Ça veut dire une probabilité que ça tient une impact pour être trappé encore. Il est plus élevé parce qu'il est déjà dans le viseur de l'autorité. Ça veut dire qu'un dino qui est un first offender est un sens qui est trappé une deuxième fois. Donc ça leur dit qu'il n'a pas trop cédé à quand même un first offender. Et bien sûr, un first offender, ce n'est pas rester un first offender, parce qu'il y a une répression de 20 minutes qui finit dans qui la police finit tard les autres. Donc, ça, c'est par rapport à un first offender. Et que. Deuxième affaire, est-ce que tout est égal face à la loi? Encore une fois, on pourrait que ça l'enquête qui était qui dirait que consommation mondiale est dans tous les niveaux de la société. Il n'y a pas un individu qui dans la haute société ou faibliste. Toute classe sociale consomme mondiale. La question c'est que ça est un plus beau pour l'aide et la police. Que ça la police est un plus beau pour répression. Est-ce que c'est vrai? Je te dis les autres. Donc ça veut dire que là, ce qui est montré, c'est que tout le monde dans toute une couche sociale mondiale, mais tout le monde dans une couche sociale, il ne peut plus s'organiser pour la police. Ça veut dire que si il cause la justice, il n'y a pas forcément la justice. Il n'y a pas forcément la justice dans l'équipement de tout le monde. Et que. Une petite affaire aussi que j'ai envie de préciser. Dans sa enquête là, encore qu'il ne fait. Et ça, il est bien intéressant. Il est montré qu'il y a 47% de Mauriciens en faveur qu'il a leur fait différence entre mondial et par les autres patrons. Donc, ne pas penser aujourd'hui qu'il. Pour pas dire que nous, bah, les Mauriciens, on peut commencer, etc. Ne pas penser qu'il y en a beaucoup d'évolution, ça chiffre là extrêmement élevé. Quand on regarde l'article qui apparaît parfois dans le journal et dans le commentaire avant, on trouvait que Dino est extrêmement évolué en question et que cette réflexion il a déjà bien loin. Donc, Aïla, pour finir par un petit exemple avant qu'il nous passe le micro à mon camarade, nous avons dans un article qui apparaît dans le journal le 2 avril, ça veut dire savoir la même là. Elle, petit appel à Tite, on va commencer de trouver ça l'article dans le journal, mais on peut prendre un petit bout, on va combien l'article à l'aide pour eux, un petit bout. Donc, à Tite, il y a une belle famille, il tient un pouillard à Gondiao, un seul pouillard, il peut l'envoyer un précurseur, il peut l'envoyer un positif, ça veut dire, lui, ça met, il va faire un tracas pour la société, ça met, il peut y avoir un problème avec la police. La police arrive, lui, et mon goût, c'est qu'il lui dit, vous ne pouvez pas vous mentir, oui, vous dites fumer. Faut pas vendre. Sans cela, va initier là, tiens-moi, donner de la vie, c'est-à-dire donner le nom, des noms sentiments. Mais faut pas annuler, ce ne ramasse pas. Donc, il a mis sa petite là, faut dire, il travaille à la municipalité, et quand ça n'avait pas son rôle, il perd son travail. Donc, si un dîmon est défini là, va un dîmon qui nous dit, le plateau public, qui est à cause d'un coup de la grandeur, dîmon, ça n'avait pas fini. Ça, c'est un exemple. À cause d'un coup de la grandeur, un dîmon sur la vie, capable de basculer complètement. Et aujourd'hui, on va mettre la face à l'article là. Ça me dit là, il veut dire, lui-même pas capable, lui-même peut lancer grâce, puis il a cette pousse pour ce type là-bas, parce qu'il perdit tout à cause d'une année, à cause d'un coup de la grandeur. Donc, notre théorie là, en conclusion, ce qu'il veut nous dire, c'est que si le grandeur n'est pas un gateway job, si, et bien, finalement, le plus gros risque est grand, c'est d'attraper et tout sous conséquence à la prison, etc. Si la politique répressive, l'ordre, pas fait diminuer ni consommation ni trafic, et surtout, si ça débalance aujourd'hui, est-ce qu'il vise un nouveau record, on pensait que la question qui est primordiale et que tout le monde vise à de poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a loi l'ordre n'est pas pris dans ses rêves pour dire qui vont à la lui-même. Merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write.
how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Actuellement, c'est l'action contre le sang de l'informatique.
énorme position, tu es à 6,5% de moyenne dans le monde du Judas. Et pour un individu, tu vas garder parce que tu as 4 grammes pour un peu l'année. Après, on va s'y aller, on va faire 4 minutes qui ont une autorisation plantée là-bas. Il y a 17 clubs pour finir pour l'instant, et on est le 15, on a dévoilé pour voir ce qu'il dit déjà à l'effet médical et à l'effet recherche scientifique. Pour le mal, on est une bonne de Tabibor, on est une dynamique, on est le 14 fait, une dynamique légale, on essaie d'arriver vers 3,4 THC, ce qui est l'élément principal dans le cannabis. Et après, ce qu'il a trouvé, et je suis toujours capable de vérifier, c'est un très violent blessé. Le moins important, c'est qu'il y a la station qui fait la cour, parce qu'il y a la cour de consommateur. Il vous taxe le monde là-dedans, taxe au gars, il vous a donné le vous trouvez que vous avez un miracle de l'État, vous avez un miracle à la maison. Vous êtes convaincu un politicien qui vous a fait. Après, nous mettons en place une investissement pour aider dans l'éducation de prévention. Soit qu'est-ce qui fait dans là, c'est bien investissant dans le système d'éducation et même le système de prévention. Et dans beaucoup de travail, parce qu'il y a qu'est-ce qui fait rentrer, il n'y a pas à créer un poste. Et on a moins assez dans l'hôtel. Et après, ce qui est plus important, on a eu beaucoup de financement qui commence à arriver à combat contre la pauvreté. Jamaïque. Depuis 1977, le fait que vous commencez que vous allez criminaliser dans le jardin Jamaïque, je ne vais pas vous le débat. Et c'est que en 2015 qu'ils ont resté à mort de Dangerous Contact. Et à ce stade, c'était un peu 57,6 grammes de l'hôtel. Pas pour gagner une caisse, mais pour gagner un petit amant de 340 litres, au pic, ça veut dire qu'il n'est pas pour aller, il n'est pas pour aller à la prison, il n'est pas pour énorme problème avec ses caractères. Pareil, je suis mon public, je veux gagner des fonds, mais c'est pas pour gagner un problème, il veut pour votre travail. C'est en bas de 8 ans, pas du clair, si il y a un jeu plus fini, je peux mettre 2,7 grammes sur l'île, pas pour être en prison. Et après, c'est une question de dépendant là, mais nous permettons de comprimer la cita. Qui là-bas est légal, parce qu'il va prendre une autre culture, et après cannabis médical, il a le fait le CS. Et pour la cage, il va pas prendre 5 ans. C'est-à-dire que c'est un autre de la lettre pour la cité du cannabis du contrat. Il y a des détails à venir de l'MCS qui en avait, qui contrôle même l'implantation et l'immigration de l'ordre qui tient. Le gouvernement commence de même PMI, ou même planter, commence pour le contrat. A même fait l'escalade de la partie d'exercice scientifique. Résultat, le fonds s'est laissé par le peuple stimuler le fonds pour les autres, c'est un peu pour moi avant. Plus de 15 000 cas pour aller dans la route, plus de 15 000 cas par aliment, pas besoin d'aller dans la route, sauf bien les céréales. Et même ça, c'est un c'est bien important, pas pour partir, parce qu'il se voit bien le problème par rapport à ce type de caractère qu'on a dans l'espace de l'éclair. Et actuellement, pour prescrire l'idée, mais au milieu, là, avec les commencements d'année qui n'ont pas vu l'année, l'Allemagne décriminalise le cannabis médical. Israël décriminalise le cannabis américain personnel et a déjà scientifique et même médical. Hollande passe à la première cultivation en février. L'Argentine légalise le cannabis médical. L'Afrique du Sud fait légalise consommation personnelle cannabis. Canada a légalisé en juillet 2018 le projet de loi passeport l'an prochain. Il regrette que le monde se donne un cannabis, mais on mange un cannabis avec France. Parce que oui, les dames. C'est un pays qui très connu et qui sont de la loi. Et c'est ce qu'il ne va pas faire ici. Je ne sens pas de issues of drugs. Que je vais faire un affaire bien, clair. Tout, je vais faire un magasin à progrès de le cannabis. Je suis là-dedans, pour personal consumption. Et du coup, qui vient arriver par rapport à la consommation personnelle, dans ce pays, on va être un utilisateur en gros. C'est-à-dire, il fait la distinction entre utilisateur, pratiquant et dealer. Et quand je fais ça, il vient qu'il y a la loi, ça c'est une propriété pour un utilisateur en gros. Quand un individu arrive dans la cour et il passe devant la cour, il passe devant un juge, si nous avons fini en tirer pour un individu qui est consommateur, et la loi, pas pour moi dire, permet de traiter de l'offense pour un affaire criminel. Qui est arrivé, pendant ce qu'on va passer, je vais ensuite, vous trouvez ici, qui est un individu qui utilise la loi, mais pas pour énorme sentence, pas pour énorme emprisonnement. Et seulement, elle est indirecte. Sauf qu'ici, moi, j'ai trouvé la réponse par rapport à la trafic et les autres problèmes, la plus poursuivie. Bien sûr, je vais faire ça en novembre 2016, je me l'offre, puisqu'ils sont 50 minutes depuis. Une sorte de télé-réponse. Et je vais trouver ici,
si un immigrant se fait comme un islamiste à l'autre, je dirais que j'aimerais qu'on parle sur l'éducation, réhabilitation et sur l'intégration sociale de l'immigrant en prison. Ça, nous faisons notre échelle et nous capables de commencer à faire un comment nous capables d'appliquer ça ici. Ils ont dit, c'est extrêmement important et on est encore dans le terrain, parce que vous avez fait un rapport d'enlever parce qu'ils ont dit que ce n'est pas pour décider qui vous avez ou pas, mais évidemment, ça, c'est clair. On peut finir là. Pour moi, il y a une amie d'hypocrisie par rapport à la drogue, par rapport au cannabis. Un pays qui commence à la guerre contre la drogue, qui commence à avancer dans ce cannabis-là, on dit tout, oui, que l'État est fini légalisé, 40 l'État, et non, ce qu'on appelle le cannabis médical, les résultats que je suis maintenant. Mais pas grave, moi, on continue de poser des affaires, pas grave, on continue de poser des affaires, mais vous avez plein d'évidence, parce qu'il nous a compris qui peut vous faire avec la société. Vous finissez pour là, ça c'est un bon parlementaire dans l'Amérique, qui dit à qui. Même si ce n'est pas d'accord par rapport à la consommation de cannabis, soit les bons, soit les pas bons, est-ce qu'ils ont appris des gens dans la prison? C'est ça qui vous a répondu, c'est ça qui vous a fait les policiers attendre, parce que c'est ça même là qu'il faut avoir vraiment la loi. Et avant de vous dire, vous êtes dans votre frère, vous êtes capable de vérifier tout ce que vous posez, parce que vous n'avez pas une affaire, vous êtes capable de vérifier si vous trouvez une affaire, si vous trouvez, vous êtes capable de faire une affaire. Mais si vous êtes attention, après vous êtes capable de faire une affaire, vous êtes capable de faire une affaire. Et vous espérez qu'ils vous disent capable de vraiment faire un petit peu de qui fait ce système répressif là, qui problème le prêt, qui met une solution de parler. Pour cette faire beaucoup d'arrégularisation, donc en mettant de mettre en route, inclut le cannabis. Et pour moi, il y a un cannabis qui est un cadre légal, une vis productive pour risque dans beaucoup de niveaux, mais aussi pour protéger les individus. Mais moi, je ne suis pas pour avoir accès à ça. Pour être derrière le père, quand je suis mon chef d'affaires, effectivement, je pas 25% du monde qui fait le cannabis, il y a un problème. C'est 1% du monde qui fait le cannabis qui n'a pas un problème. Merci pour votre attention. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?